Mais je te dis, hein, dès que le chien passe. DVD Ragi, ABDPP. Ah, oui, ah. Oui, bonsoir. Écoutez, la veille, on était en pleine conversation avec Isabelle. Sur les proverbes. Sur les proverbes. Ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc, vous l'avez dit, je suis. Pardon, la voix. La voix. Les deux qui suivent, c'est bien. Oui, bon, bah, raison. Oui, bah, il y en a je deux. Vous dis rapidement. En même temps, on est que deux. Hein. Pour le jeu des voitures, vous savez, c'est les résultats. Hein. Oui, donc, d'accord. Il y avait le jeu des voitures ce matin, oui. 11h30 et midi et demi. Pas de gagnant. Ah. Personne n'a trouvé que 243 voitures jaunes sont passées sur le périphérique intérieur. Donc, je garderai la voiture. Donc, personne ne gagne personne la voiture jaune. Gagne. Bon. Et le lot sera remis en jeu demain. D'accord. Ah. D'autre part, l'objet à retirer ce soir de la chambre. Oui. Sont les WC. Ah, donc, oui. Vous allez recevoir un magnifique pot de chambre. Tu as de la chance, Isabelle. Bravo. Et où il est où le pot de chambre? Ah, c'est Raphaël. C'est Raphaël qui avait le pot de chambre. Bonsoir. Bien, c'est sympa. Oh, c'est dès que je peux me rendre utile. Hein. C'est toi. Bonsoir, Jackie. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc. C'est alors, toi voilà, qui arrives avec le pot de chambre. Ce magnifique pot de chambre. Oui. Ah. Donc c'est pour Isabelle, Raphaël. Alors c'est Léo Bardon, mon ami, Léo Bardon. Mon chevalier servant de la soirée. D'accord. Assieds-toi. Si tu peux t'asseoir là, voilà. Ouais, je rentre pas sur le train. Comment il paraît? Tu rentres très bien. C'est vraiment le pot de chambre. Non, non, mais je garde pas du lit comme ça. Attends, on va le mettre. Tu l'as trouvé où le pot de chambre? C'est mon trophée de Miss JDA. Hein? C'est mon trophée. Voilà, c'est un pot de chambre, un vrai. C'est le pot de chambre de ton enfance? C'est ça. Il était là, très fonctionnel, oui. Très joli, magnifique. Tu pourras faire un téléachat, toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Hein? Voilà. Bon, bah, Isabelle, on le met dans les toilettes, c'est ça? Bon. Enfin, on va pas merci. Parler de pot de chambre toute la. T'es non. Pas venu que pour parler de pot de chambre, Raphaël? Non, mais on peut. T'es venu pour parler super, de plein de choses? De plein de choses, absolument. Bon. Je suis venue de vous encourager surtout, parce que je vous ai regardé un petit peu ce matin. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est. Moi, je dis que ça doit être assez compliqué, parce que. Oui. C'est aussi petit qu'à la télé. Oui. Bah, c'est une chambre d'hôtel, en fait, c'était ça, ce que je présente. Et dans une semaine, vous avez une psy qui vous suit un peu. Oui, je pense. C'est ce qu'on disait justement. Alors, Isabelle est Miss JDA. Oui, et donc compris. Le premier prix, c'était une semaine dans un hôtel de charme et de luxe, au bord du périphérique. Regarde la magnifique vue, Raphaël. C'est magnifique vue sur le périphérique. C'est magnifique, c'est vraiment. Avec moi. C'est magnifique. Avec quand moi, tu feras Madame JJDA, moi je veux bien présenter. C'est vrai? Ah oui. Tu veux présenter quoi, le Madame JJDA? Non, passer une semaine avec toi. Ah bon? Isabelle, est-ce que je pourrais après passer une semaine avec Raphaël? Je relais mon pot de chambre. Tu auras le gros pot de chambre, en fait, si tu passes une semaine avec moi. Génial, j'adore l'idée. J'ai hâte. Alors, avant de parler de ton actualité et de tout ce qui se passe autour de toi, je vous propose d'en regarder un bêtisier. Oh, chouette. Hein, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. Et ah, bah, génial. Très bien. Et après, on s'en parle. D'accord? Voici donc le bêtisier. C'est parti. Enfin, normalement. Voilà enfin. Voilà. Vous êtes fait attendre. Hein. Ça va, Jackie? Ouais, ça va bien. Alors, je te présente Isabelle, Miss JJDA, que tout le monde applaudit. Allez, on applaudit très fort. Ouais. Vous êtes prêts? On ouvre. Regarde. Oh, elle est grande. Tiens, viens. C'est sympa, hein? Ah, elle est géante. Voilà. Et donc, comme dans l'intitulé, hein? La belle vue. Au bord du périphérique parisien. Est-ce que tu peux montrer la vue qu'il y a au bord du périphérique parisien de cette chambre d'hôtel? C'est magnifique, non? Magnifique. Regarde. Toutes ces voitures. Regarde, il y a même un début d'autoroute. T'as l'autoroute, t'as le périph' intérieur, le périph' extérieur, tu vas pousser. Ça va être génial, non? Avec les grues, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. C'est ton lit, ça. Voilà, c'est mon lit, comme je disais, avec ma belle petite peluche. T'as une petite peluche, voilà. De comment elle s'appelle? Il n'a pas de nom. Le chat. Hein, le chat. C'est comme la voix, le chat. Voilà. Bonjour le chat, comment vas-tu? Bien. On l'a refait. C'est pas la voix, c'est la voice. Bonjour le chat, comment vas-tu? Oui, toi. T'es ventiloque, Isabelle, ou quoi? Non, pas du tout. Bon, essaye le lit, voir s'il est. Voilà, c'est ce que je disais. Il est très moelleux, très confortable. Non, mais allonge-toi. Bon. Pas mettre mes chaussures dessus. Mais... Non, mais regarde. Très bien, quoi. Il est bien, hein? Ouais, ouais. Tu vas être bien, là, ça va être sympa. Ah, non, ouais, non, mais ouais. Bon, voilà. Avec cette jolie vue. Là, ce sont les fauteuils, voilà. le salon. Voilà. Pas l'écraser, mais voilà. Très confortable aussi. Voilà. Avec la photo de le président. Que j'appellerai d'ailleurs tous les jours. Voilà, en espérant la voir au téléphone. Oui, bah, tu sais. Bah. Voilà.
Bah oui, ouais, non, mais quand même, que dans le JGDR, tu es quand même Miss JGDR. Mais oui. Tu sais que dans le JGDR, j'appelle Nicolas Sarkozy à la fin de toutes les émissions. Voilà. Eh bien, on recommencera. Puis avec la musique d'attente, on pourra valser. Ouais. Voilà, avec la musique de l'Elysée, voilà. On pourra valser. Il y aura mes jingles, on y arrivera. Que tu lanceras, j'espère, oui. Isabelle. Hein, avec plaisir. Là, je me mets comme ça, c'est bon? C'est bien. Oui. Voilà. Voilà. Alors maintenant, il faut nous dire ce que vous avez sur le cœur. Bon. Ce que j'ai sur le cœur, je suis donc c'est Isabelle qui a été choisie Miss JJDA, qui a été élue par par le peuple, fidèle téléspectateur d'IDF1. Je dois dire que je ne suis pas trop déçu. Dès qu'on arrive à l'hôtel, ça lui a plu. Elle est vraiment contente de passer une semaine avec moi. Je pense que ça va bien se passer. Elle me trouve très drôle, très beau. Elle trouve que j'ai beaucoup d'humour. Dès que je fais une plaisanterie, elle sent toujours très bonne. Elle rit aux éclats. Je pense qu'elle est amoureuse de moi, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Ça fait quand même 1h15 qu'on est dans la chambre. Et voilà, je pense que ça commence bien et ça va bien se terminer. Voilà. Donc vous venez de donner un scoop en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, je pense qu'elle est amoureuse de moi. Ah oui. C'est très important. Bon, voilà. C'est sûr que ça va pas craquer ce truc, hein. Non. Mais JJDA est borgné. Tu vois, là, ça sert à se muscler. J'avais envie. Alors, on peut rester comme ça des heures, c'est vachement sympa. Ça fait pas mal en plus. Je vous propose comme nouvelle épreuve, les amis. Oui. C'est une petite partie de cache-cache. Ah! Il y en a un qui se cache, oui, et l'autre qui compte. Oui, je vous remercie. Merci. Ça y est. Je sais pas du tout où il peut être. Alors là. Oh! Jackie! Comment t'as fait? Mais t'es doué! Comment t'as fait pour me trouver? C'est bizarre, il y a des sons de voix qui proviennent. Attends, mais comment t'as fait pour me trouver? Je suis doué, c'est hyper bien caché. Ça y est? Ouais. Bon, alors, est-ce qu'il faut bien mettre, Isabelle? Où peut bien être Isabelle? C'est bien, Isabelle! Tu étais très très bien cachée, Isabelle! Ah ouais, là, tu t'en étais pas rendu compte! Bon, on a joué cache-cache. Je suis trop grosse pour aller sous le lit. Bon, Isabelle, je vais montrer aux fidèles téléspectateurs d'IDF1 ce qu'on a pour déjeuner. Un sandwich pour deux. Ah, ouais. Oui, mais c'est un gros sandwich. Oui, c'est un sandwich pour deux. Au poulet rôti, tomate, œuf. Il a l'air très appétissant, je vous remercie, la Voice. Je ne suis pas moqué de vous, quand même. Limite, quand même. Bon, Allez. Encore vous, Isabelle, c'est magnifique. Merci. Merci. Allez, sans bagage. Quand mes jouets de naufrage. Dans les cales de cargo, elle a quitté. Macumba. Alors Macumba, on avance comme ça, attention. Attention. Tu es prêt? Deux. Macumba, elle danse tous les soirs. À l'arrière. Bon, faut que je me confesse là, parce que là, ça va pas du tout, du tout. Il est un peu lourd là, Jackie. Hein. Il se colle à moi là, comme ça, il croit que, je sais pas, qu'il peut me draguer alors qu'il pourrait être mon père, quoi, enfin je sais pas. Il danse, il se colle, je vais quelque part, il se met à côté de moi, non. Je crois que je veux pas lui laisser des faux espoirs, hein. Moi je suis amoureuse et... Oui, non, il faut pas que je lui laisse des faux espoirs, je suis désolée. Tu es amoureuse de Jackie? Non, justement, je suis amoureuse de mon copain. Donc il est un peu lourd. Bon, j'essaie d'être gentille, sympathique, mais bon, voilà quoi. On va retourner avec le sourire. C'est facile. Est-ce que Jackie, tout
à l'heure, vous nous aviez confié oui. que visiblement, Isabelle était en train de tomber amoureuse de vous. Bah, écoutez, la voice, oui, j'ai un charme irrésistible sur moi, parce que je pensais pas que ça allait être si rapide, quoi, parce que ça fait à peine 12 heures qu'on est ensemble, et déjà, je m'allonge sur un lit, elle se met à côté de moi, elle me colle, elle me sourit, il y a des regards qui trompent pas, et bon, je sais pas, quoi, elle est en train vraiment de tomber amoureuse de moi, et elle me trouve très drôle, très beau, à chacune de mes réflexions, elle rit aux larmes, elle trouve que j'ai beaucoup d'humour, et voilà, ça, c'est pas que ça m'ennuie, mais bon, est-ce que c'est pas mieux qu'on reste copains, je sais pas, enfin, je trouve ça un peu rapide, quoi, Je suis pas le genre à comme ça à coucher le premier soir. Donc je suis un peu inquiet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, la voice? Je vous comprends tout à fait, monsieur Jackie. Voilà, c'est ça, je sais pas, j'espère que ça... Non plus, je sais pas, avec une fille... Je sais que j'ai un charisme énorme, je pensais pas que ça allait être aussi rapide avec Isabelle, quoi, qu'elle s'accroche à moi, comme ça. En même temps, elle est mignonne, quoi, donc c'est ce qui me fait hésiter. Je comprends bien. Voilà. C'est donc, ça va, vieille, bon, alors là, Isabelle a renversé... elle a renversé le chocolat sur mon pantalon. J'en avais qu'un d'ailleurs pour toute la semaine. Voilà. Alors voilà. Est-ce que tu sais le laver? Donc je vais. Le chocolat, et ça tâche en plus le chocolat, non? Je ne sais pas si on peut s'apercevoir de ça, mais mon pantalon est ruiné. Sympa. Comment je vais faire alors? Écoute, t'as pas l'enlevé, tu mets tout ça. Je précise que je n'ai rien eu. Tu as taché aussi les draps de l'hôtel, tu as taché tout, voilà, tu as taché la moquette de l'hôtel. Bon, c'est pas grave. Les chaussures n'ont rien eu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Wouh! Zai, 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 zai. Très bien dîné. Nous avions une fourchette pour deux, un verre pour deux et un couteau pour deux. Et voilà. Voilà. Et on a réussi à manger un repas à deux. Alors Isabelle, première chose, d'abord nous avons appris un scoop. Ah oui? Vous prenez en effet une pilule à 22 heures. n'ai pas dit ce que c'était comme pilule. C'est bas comme coup, c'est bas. Voilà. Et oui, bah toutes les femmes en prennent une, hein, voilà, voilà, 22 heures, c'est réglé. Même moi, j'en prends une pilule. Et donc, maintenant, jouons au franc jeu. Comment s'est passée cette journée avec Jackie? Oh, bah... fatigante. Non, je... j'apprends doucement à le connaître, je fais des efforts auprès de lui. Il essaye d'en faire auprès de moi, d'être un peu moins collant, d'être un peu moins lourd, d'être un peu moins Jackie, quoi. Et Mais ce soir, tout de même, nous avons vu, pour ceux qui étaient connectés sur Internet, qu'il vous a fait boire du vin. Dans quel but? Eh bien, à vous de lui demander quand il passera au confessionnal. Oh, ça, j'en ai bien l'intention. Mais bon, j'ai bu quelques gorgées, mais pas assez pour me rendre sous. Je précise. Très bien. Ah là, je suis dans le confessionnal là-bas. Alors, cher Jackie, vous aussi, vous nous avez révélé un scoop aujourd'hui. Lequel? Eh bien, vous ne prenez pas de pilule à 22 heures, mais vous avez des petits problèmes de prostate. C'est exact, je ne prends pas de pilule à 22 heures, mais je vais souvent aux toilettes, pratiquement tous les quarts d'heure, oui, pour faire pipi. Très bien. Alors, finalement, un petit bilan de cette première journée? Bah, c'est plutôt positif, il est arrivé ce qui est arrivé, je pense qu'Isabelle est très amoureuse de moi et ça me gêne un peu, quoi, et surtout par rapport à son fiancé, je sais pas comment lui dire, je sais pas s'il faut lui dire, s'il faut le prévenir, et je suis un peu gêné. Tu vois, avec, donc je disais, le père et fils Souchon, il y a plein d'artistes, il y a Woolsey,
Jane Birkin. Jane Birkin, oui. Une belle affiche alors. Oui, voilà, ouais. Très belle affiche. Et puis tous les ans, c'est organisé par la fondation elle-même, qui se trouve à la Rivoisière. D'accord. En fait, c'est une fondation que pour la recherche. S'occupe que de la recherche. D'accord. Donc, faut y aller, quoi. Il faut y aller. Sachant que les places, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même 300 euros la soirée. Mais c'est vraiment pour la recherche. Ouais. Les gens, s'ils veulent, ils peuvent faire des dons sur sur le site internet, www.ifrat.fr. D'accord. Et ou .com aussi, il y a les deux. Et ils peuvent pour 10 euros égale à peu près une minute de recherche. D'accord. Ok. Donc ils peuvent donner 10 euros ou 15 euros, ça c'est bien. 10 euros, c'est deux paquets de clubs, c'est-à-dire que c'est rien. D'accord. Tout est expliqué sur le site. Et puis bon, voilà, Léo s'est engagé d'une façon très sérieuse dans cette cause parce qu'il a travaillé des années avec Annie Girardot, qui est touchée par cette maladie. Oui. Et il a écrit un très très beau bouquin qui s'appelle Annie, te souviens-tu, dont une partie des droits est reversée également à la fondation, chez Michel Lafon. Chez Lafon, voilà. Et c'est parrainé par Alain Delon, c'est ce que tu m'as dit. C'est le président d'honneur est Alain Delon. Alain Delon, qui sera là ce soir. Pourquoi Qu'est-ce que c'est quoi, Raphaël? J'aime bien Raphaël. Dès que je cite Alain Delon. Il y a Alain Delon ce soir. En fait, si j'ai bien compris, quand Alain Delon va arriver, le chevalier servant, il va... Ah bah tu seras plus chevalier servant. Mais non, tu seras toujours mon chevalier servant. C'est pas mon genre de mec, c'est le mec, quoi. Pour toi, c'est le mec. Bah, Alain Delon, quand même. Ouais. Alain Delon. Ouais. Alain Delon. Alain Delon, ouais. Un peu jeune, mais pour Alain Delon. Bah non, mais même. Parce que moi, ça va, quoi. Alain Delon, pour toi. Non, mais si, c'est un bel homme. C'est un bel homme. Oui. Bien sûr, après, il incarne l'homme, enfin tu vois, la star française parmi les comédiens quand même, enfin je sais pas, c'est l'homme, C'est l'homme, quoi. Même s'il n'est plus tout jeune. Bon, alors qu'est-ce que tu fais toi en ce moment, Raphaël? Alors écoute, moi je me régale avec des petits coachings en particulier, donc sans micro, sans caméra. Alors c'est quoi tes coachings? C'est un petit peu ce que je faisais à la Starac, donc soit j'interviens dans des écoles, soit j'interviens sous forme de stage. Ou en particulier pour travailler, préparer une scène, un album en studio. C'est-à-dire que tu fais travailler des artistes ou des connus, des chanteurs. Genre, par exemple. Genre je dis pas les noms. Ah, tu dis pas les noms. Pourquoi tu dis pas les noms? Parce que, moi ça me gêne pas, mais pour eux ça pourrait les gêner. Ah, non? Moi, je serais fier de me faire coacher par Raphaël Ricci de la Starac. Il y a des gens, l'étiquette Starac, elle n'est pas top pour certaines personnes. Donc, reste un petit peu dans les choses discrètes. Et c'est les chanteurs connus, je suppose. Il y en a, mais que. Il y a aussi des gens qui démarrent. Il y a des gens aussi de la Starac. Et tes cours, tu les donnes où? On peut avoir, savoir où. J'ai pas d'endroit précis. C'est-à-dire que je me déplace pas mal en France. Et dans un zénith, trois jours avant. Une date, je peux. D'accord, tu peux. Voilà, et puis je m'essaye aussi à d'autres choses. Je travaille sur la Web TV, j'aime bien le. Ah, tu vois de quoi j'ai un petit peu. Web TV, qu'est-ce que tu fais sur la Web TV? Là, j'ai fait un truc sur le Mans Classique au mois de juillet. J'ai fait du direct pendant 24 heures. Ouais. Avec des voitures qui tournaient sur le circuit des 24 heures du Mans. Avant, tu faisais des voitures comme ça qui tournent? Exactement, j'allais interviewer des pilotes et tout, parce que c'est une grande passion que j'ai. Donc je suis en train de travailler sur des idées. Comme ça, voilà. Et comment tu expliques que la Starac se soit arrêtée? Ça, c'est le cas au moment où j'ai arrêté, moi. Ouais, c'est vrai, ça. Au bout de 8 ans. J'ai bon. Est-ce que j'ai bon. Non, mais il y a un phénomène d'usure, quoi. Évidemment qu'il y a un phénomène d'usure. Et puis l'année d'après, l'année de trop que j'ai évité de faire, et je suis assez contente d'avoir eu le flair. Toute l'équipe des profs a changé, l'endroit a changé, et le casting n'était pas forcément génial. Donc ça suffit pour faire couler un peu une émission. Pourquoi ils ont changé déjà l'endroit, le château? Pourquoi ils ont quitté le château? Ça, je ne sais pas, il faudra leur demander. Chers amis, je vous interromps quelques instants. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? La Voice. Alors c'est quoi la Voice? Qu'est-ce que se passe-t-il? Devinez, monsieur Jackie. Quoi? Nos amis d'IDF1 vont vous retrouver dans Vous avez du talent d'été. Déjà? Tandis que nos autres amis vont bien sûr rester sur IDF1, www.idf1.fr ou Dailymotion.fr. Ah oui, on va continuer à parler sur... d'accord. Et l'interview continue. Ah. À plus tard. À plus tard. Magnifique, c'est une voix sensuelle et...